Bonjour à toutes et à tous. Dans cette capsule, nous allons parler des débuts de l'islam. L'islam est l'une des trois grandes religions monothéistes du monde. Elle compte aujourd'hui plus d'1,5 milliard de fidèles. Les chrétiens sont 2 milliards et les juifs sont 13 millions. Vous l'avez compris, c'est donc une religion très importante. Sur le camembert qu'il y a derrière moi, vous voyez que l'islam représente 41% des fidèles monothéistes sur Terre. L'islam naît au 7e siècle, suite à la révélation de Muhammad, puis elle se diffuse, se développe, se consolide tout au long du 8e siècle. C'est en 612 que Muhammad reçoit son message divin, alors qu'il pratique la méditation sur la colline de Hira, à quelques kilomètres de La Mecque. On appelle ce moment la révélation. Muhammad reçoit un message de l'archange Gabriel de la part de son Dieu, Allah. À partir de cet instant, Muhammad devient le prophète d'Allah. Un prophète est un messager divin sur terre. Il est chargé, sur terre, de diffuser la parole de son Dieu. Muhammad commence alors à diffuser la parole de son Dieu. L'expansion de l'islam est alors très rapide. C'est tout l'Orient qui est d'abord conquis lors de raids à chevaux. Ceux qu'on appelle maintenant les arabo-musulmans se dirigent vers la Syrie, la Mésopotamie, l'Égypte, puis l'Empire byzantin. Leur but est économique et religieux. C'est ce qu'on appelle le djihad. Muhammad meurt en 632. C'est au 8e siècle que les conquêtes se développent le plus. Les arabo-musulmans parviennent à diffuser l'islam jusqu'au royaume des Francs à l'ouest et jusqu'aux rives de l'Indus à l'est, l'Indus étant un fleuve du Pakistan. Je suis ici au cœur de la bataille de Poitiers. En 732, l'expansion des arabo-musulmans est stoppée par le franc Charles Martel. Le 25 octobre 732, premier jour du Ramadan, les musulmans enclenchent la bataille. Ils ont une cavalerie qui est légère et désordonnée. Les Francs sont eux à pied, mais sont extrêmement bien disciplinés et sont recouverts de fer. Le chef des arabo-musulmans, Abderrahman, meurt au combat et la nuit suivante, découragé, ses hommes plient bagages et se retirent. Nous avons vu comment l'islam naît, nous avons vu comment l'islam s'étend, nous allons maintenant voir quels sont les textes fondateurs de cette religion. Deux textes sont fondateurs de l'islam. Tout d'abord, le Coran. Le Coran, dont vous pouvez voir un exemplaire derrière moi, est le livre sacré des musulmans. Lorsque Muhammad meurt, ses paroles sont écrites dans le Coran. Le Coran est divisé en chapitres, qu'on appelle des sourates, et ces sourates sont divisées en versets. Second texte fondateur, la Sunna. Sunna signifie tradition, et tradition signifie ce qui est transmis à l'oral. Deux types de récits existent dans la Sunna. Les hadiths, qui ont été écrits entre le 8e et le 9e siècle, ils racontent les paroles et les actes du prophète. Deuxième type de récits, les sirahs, qui ont elles été écrites au 9e siècle, et qui sont des biographies du prophète Muhammad. Enfin, on peut se demander quelles traces ont été laissées par la civilisation arabo-musulmane. Les arabo-musulmans ont développé de grandes villes. Damas, dans l'actuelle Syrie, et Cordoue, dans l'Espagne d'aujourd'hui, en sont deux des plus beaux exemples. Les connaissances de l'Antiquité se sont développées dans les villes. Les mathématiques s'y sont perfectionnées, tout comme les sciences. Damas était un grand centre politique, religieux, commercial et culturel. À la moitié du 8e siècle, les Arabes sont présents dans tout l'Orient et toute l'Afrique du Nord. C'est une période où la civilisation arabe, extrêmement brillante, se diffuse afin de nous laisser l'héritage que l'on connaît aujourd'hui. Retenez donc que l'islam naît en 622 suite à la révélation de Muhammad. C'est ce qu'on appelle l'Hégire qui marque le début du calendrier musulman.
Muhammad déclenche le début des conquêtes. Pendant le 7e siècle, l'islam se diffuse essentiellement en Orient. À la fin du 7e siècle et au 8e siècle, elle atteint les rives de l'Indus à l'est et le royaume des Francs à l'ouest. La civilisation arabo-musulmane est extrêmement brillante, en témoigne l'exemple des mathématiques ou des villes comme Damas ou encore la mosquée de Cordoue. Et elle le restera entre le 8e et le 12e siècle.